ravi de vous accueillir et avec l'hôtel qu'on vient de rouvrir il y a maintenant presque 3 semaines. Et on est très content, on a beaucoup d'espoir que ça va démarrer plus tôt que prévu. Pour l'instant, ça semble un peu difficile, mais ça devrait améliorer. On a mis les points surtout sur toute la question de sécurité et hygiène. Nous avons développé ce programme We Care About You pour assurer nos clients et de toutes les mesures, tous les protocoles d'hygiène, sécurité. C'est très, très vaste comme concept et ça rassure. On a vu déjà les clients se sentent rassurés quand ils voient les protocoles et les pratiques qu'on a mis en place. Et on espère de peu à peu récupérer le niveau de l'année dernière, l'année 2019. Et c'était notre première année pour cet hôtel. Et ça a très bien démarré, tous les deux côtés, l'hébergement et aussi l'événementiel a très très bien démarré. Avec nos installations, les équipes, et on a fait un très bon travail l'année dernière. Et ça reprend aussi, ça c'est peut-être l'explication que l'événementiel cette année a repris plus tôt que prévu. Toujours avec des événements, des petits événements, pas comme on était habitué, mais c'est aussi normal. Maintenant, on parle des événements moitié présentiels ou un peu présentiels et plutôt distanciels, mais nous avons les installations pour garantir ça. Et ça nous a aidé à développer, à démarrer bien sur le côté événementiel, le volet événementiel, avec nos espaces aussi. Et les autres hôtels Barceló au Maroc sont aussi ouverts, à exception de Tanger, où nous sommes en train de faire une grande rénovation. Va devenir les meilleurs 5 étoiles de Tanger, les Barceló Tanger. Et les autres sont tous ouverts et peu à peu, on augmente l'occupation.